Doing business? God's way. Doing business? God's way. Thank you. Bonjour, c'est Léon Kamba, directeur de Jesus School Europe et entrepreneur chrétien, avocat au barreau de Bruxelles et au barreau du Congo, Kinshasa Gombe. Et comme vous le savez, comme je l'avais annoncé dans nos vidéos précédentes, que nous sommes à la fin de l'année et qu'à la fin de l'année, il y a beaucoup d'événements, de témoignages édifiants des étudiants ou des entrepreneurs de l'école Jesus School Europe en attendant la graduation qui va avoir lieu au mois de septembre. Nous avons organisé un programme intitulé « Les visages des entrepreneurs chrétiens de Jesus School Europe ». Aujourd'hui, nous avons réuni tous les visages des hommes et femmes d'affaires qui ont passé 9 mois au sein de notre école avec le Seigneur. Ils ont abandonné leurs activités. Ils ont abandonné les activités qu'ils avaient parce qu'ils ont marre de ce qu'on appelle la précarité. La précarité, c'est tout ce qu'on appelle la gratuité, le chômage, les faux jobs. Ils ont interrogé Dieu pendant 9 mois pour savoir, mais qu'est-ce qu'en fait tu as mis à nous pour que nous puissions régner, dominer, assujettir selon notre appel. Alors, ces hommes et femmes d'affaires, Dieu étant un Dieu de justice, il a accordé la faveur à ces hommes et femmes pour nous rencontrer sur notre chemin, nous qui sommes les femmes accoucheuses de Jesus School Europe. Et comme vous le savez, Jesus School Europe est fondée sur Habakkuk 2:2. Écris ta vision, écris-la de manière claire, qu'elle soit lisible couramment. Alors nous n'allons pas dire écris ta vision, écris ta prophétie, parce que Dieu a mis à nous ce qu'on appelle les talents entrepreneuriales. Donc, en application de Habakkuk 2:2, nous écrivons ce qu'on appelle le business plan. C'est sur base de cela que tous les hommes et femmes d'affaires qui ont l'appel, le business année, dans notre école, ils doivent écrire ce qu'on appelle le business plan. Et le grand cadeau de l'école, c'est de donner soit une entreprise au cours de l'année, soit sortir avec un projet bancable. Le projet bancable veut tout simplement dire qu'il y aura l'interférence d'un comptable ou un expert comptable qui est agréé par les institutions belges conformément à la loi, parce que nous avons traduit tout ce que nous avons appris à Chicago dans les contextes français et européens pour permettre aux chrétiens, hommes et femmes d'affaires de pouvoir couler avec la formation de notre école. Donc la différence entre Jesus School Europe avec tout ce que nous avons comme école, université, Solvay, UNB, UCL est simple. L'école Jesus School, c'est l'unique école au monde qui fait la symbiose, la fusion entre la partie spirituelle et la partie pratique scientifique. C'est-à-dire que c'est l'unique école où quand vous venez, on vous dit tout simplement que notre business plan trouve son fondement dans la parole de Dieu, dans Habakkuk 2:2. Et les plans financiers trouvent son fondement dans les livres de Luc 14, 28 à 31, où on dit, la parole de Dieu dit que lequel d'entre vous, s'il veut construire une tour, puisse s'asseoir pour d'abord calculer combien il a en poche, pour qu'il ne soit pas objet de moqueries, des railleries, de voisins qui diront, mais le pauvre, il a commencé une fondation, il n'a pas fini. Lequel des rois peut aller en guerre avec 10 000 soldats contre un roi qui a 20 000, ne puisse s'asseoir d'abord pour dire, est-ce que je vais gagner les combats? C'est là le fondement même du plan financier. Donc, l'école est en train de démontrer, de décortiquer que la science, c'est Dieu qui est le maître, l'omniscient. La science vient de Dieu. Donc, c'est de cette façon-là que l'école rencontre maintenant tout ce qu'on appelle les hommes et les femmes d'affaires qui ont l'appel dans les affaires, uniquement réservé aux chrétiens. Nous ne travaillons qu'avec les chrétiens qui ont la semence entrepreneuriale en eux. Donc c'est pour cela que nous avons organisé cette émission, ce programme, bien entendu, pour que vous puissiez entendre chaque entrepreneur, ce que Dieu a fait avant, pendant, après l'école, pour que vous puissiez aussi saisir cette opportunité et rencontrer les femmes sages de l'école Jesus School Europe pour que nous, avec vous ensemble, nous puissions former un groupe des hommes et des femmes d'affaires qui ont les affaires dignes des noms. Quand je parle des affaires, ce ne sont pas des petites affaires, des petites choses que les autres font, parce que notre Dieu dit que si le monde donne de bonnes choses à ses enfants, moi ne suis-je pas capable de vous donner de meilleures choses qui puissent exister. Et là, nous sommes où? À Louise. Et quand vous parcourez toute l'avenue Louise,
vous ne trouvez pas ni magasin chrétien, ni alimentation, ni, il n'y a rien qui concerne les chrétiens. Vous allez sur la rue de Brabant, même chose. La rue Neuve, même chose. Partout à Bruxelles, même quand il y a les salons entreprendre, on ne voit pas les chrétiens, hommes et femmes d'affaires, ici à Bruxelles. Je ne sais pas si ils sont quelque part, mais quand ils vont m'entendre, ils pourront quand même lever la voix pour que nous puissions faire équipe ensemble. J'ai dit que nous ne sommes pas les premiers, nous ne sommes pas les premiers à Bruxelles à parler de business, mais il y a des chrétiens, mais ces chrétiens-là, on ne les voit pas. Ça nous interpelle. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit que tout sol qui foulera la pomme de tes pieds, je te le donne en possession. Nous sommes ici à Bruxelles, 10, 20 ans, on tourne autour de Carrefour. Les hommes et femmes d'affaires, les hommes de Dieu, ils sont dans l'église, bien entendu, mais il faut voir quel type de job, de travaux ils font à côté, à part le travail à l'église. C'est des simples jobs qu'ils font. Ce ne sont pas des travaux qui sont dignes des enfants de Dieu. C'est dans l'église qu'on dit, bon, je suis la tête dans la queue. L'or et l'argent m'appartient. Je suis co-héritier de Christ. On a toutes ces promesses-là. Mais prendre possession des promesses, c'est autre chose. Je me rappelle encore d'une chose. C'est l'enseignement sur chercher d'abord les royaumes de Dieu et le reste va venir automatiquement. J'ai déjà cherché les royaumes de Dieu. Et pendant que je n'avais pas encore eu la formation aux États-Unis à Chicago, j'ai attendu voir l'automatisme régulateur dont parle la Bible. Je n'ai jamais vu les choses-là qui sont venues automatiquement. Là, ça nous a interpellés pour commencer à dire, mais est-ce que Dieu est un homme pour mentir ou un fils de l'homme pour se repentir? Ah, c'est à partir de là que la Bible répond à la Bible. Et quand les hommes de Dieu viennent dans ta vie, les hommes de Dieu vont commencer à t'expliquer que nous ne sommes pas dans le désert où la manne tombait. Vous étiez habitués à la manne du désert. Mais maintenant, on est en Canaan. À Canaan, chacun doit travailler. Dans le Kingdom of God, tu ne peux pas moissonner ce que tu n'as pas semé. Donc, chacun doit travailler, demander à son Dieu quel est mon appel entrepreneurial avant que je puisse régner, dominer, assujettir. Donc, là, je ne vais pas trop monopoliser la parole parce que c'est le visage des entrepreneurs de Joseph School Europe que vous allez voir tout à l'heure. Ils vont défiler ici, témoigner, vous expliquer ce que Dieu a fait dans leur vie avant, pendant et après. Aujourd'hui, je suis content de compter au moins quelques entreprises, quelques millionnaires en devenir qui sont en train d'asseoir ça et là, qui ont même quitté leur job parce que vous connaissez l'histoire de Jacob avec la banque. On étudie chaque fois à l'école où on te prend 20 ans, on t'utilise en énergie, en temps. Et quand Jacob a crié, Seigneur, je veux maintenant travailler pour ma propre maison. Je suis fatigué d'être utilisé par Laban. Laban, c'est son propre oncle. Laban représente aujourd'hui toutes ces entreprises qui utilisent les enfants de Dieu, qui les subtilisent comme des esclaves. Comme si la pomme de leur pied n'a pas encore franchi la Belgique. Ils sont utilisés, utilisés, utilisés. Jusqu'à leur dernier souffle. Donc, si Dieu te fait la grâce, tu vas dire, mais quand est-ce que je vais travailler pour ma maison? À ce moment-là, Dieu va te donner l'idée de la mise à part de l'agneau, t'acheter et marketer. C'est ce qui a fait l'arche de Jacob après avoir été utilisé pendant 20 ans. Je crois que ça ne sera pas ton cas. Parce que tu as cette opportunité-là de rencontrer les sages-femmes, l'école Joseph School Europe, qui va te coacher, te structurer, t'encadrer, t'accompagner même jusque dans n'importe quelle sphère d'influence. Pour que ces jours-là, quand le Seigneur va venir, que tu ne puisses pas lui dire, non, j'ai caché les talents que tu m'as donné parce que je sais que toi, tu me sens là où tu n'as pas semé. Oh, j'ai caché parce que tu savais que tu étais un maître méchant. Il va dire, ôtez les saintes que j'ai données à ceux qui ont fructifié. Parce que Dieu est un homme d'affaires, c'est un businessman. C'est pour cela, je t'interpelle, toi qui me suis, pour que tu puisses aussi saisir cette opportunité pour rencontrer les sages-femmes de l'école, l'ouverture de l'année prochaine, l'année académique 2014-2015, aura lieu le 15 septembre. Je crois que tu ne manqueras pas de nous appeler et de nous contacter pour que tu puisses gagner vite ton temps. Comme ça, ces jours-là, Dieu trouvera un peuple en qui il peut se glorifier. Thank you. Je vais passer tout le temps maintenant à passer en revue tous les entrepreneurs que vous allez découvrir. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Merci Seigneur pour cette grande, belle opportunité que j'ai eue de pouvoir participer dans l'école Joseph School Europe. Avant de pouvoir connaître que cette école existe même, le Seigneur a mis dans mon cœur donc, ce projet de pouvoir loger les réfugiés qui sont citoyens à part entière en Belgique
mais qui ont qui n'ont pas assez d'informations, de connaissances du marché de l'immobilier et qui n'ont peut-être pas de connaissances dans la culture, donc qui sont quelque part un peu perdus dans le pays malgré tout. Et le fait d'avoir rencontré l'école, ça m'a permis de bien structurer le projet. La formation, c'est quelque chose de très important. La préparation aussi. Lorsque je pense à David, quand il a préparé le matériel, les plans, tout ce qu'il fallait pour pouvoir construire le temple de Dieu, ça me prend beaucoup et ça me parle. Il y a un temps pour toute chose, il y a un temps pour la préparation, il y a un temps pour la formation, il y a un temps pour exécuter les plans qu'on a fait, qu'on a préparé, et puis il y a un temps de voir les fruits de son travail. Et ma rencontre, donc cette connexion divine que Dieu a fait avec Joseph School Europe, m'a permis de préparer la vision que le Seigneur m'avait donnée, de structurer le projet, de créer la SBL Chan, qui est donc créée depuis le mois de juillet, le 7 juillet 2014, et qui va être un endroit où ces réfugiés vont être accueillis, coachés, accompagnés, aidés dans l'intégration, et alors mis sur pied pour pouvoir continuer leur vie. Ce sont des logements de transit, entre 8 mois et 18 mois, la période de pouvoir accompagner ces personnes et après les laisser vivre pleinement leur vie ici en Belgique. C'est vraiment une très bonne formation, c'est une très bonne école. Et je vous invite aussi à venir voir. Comme Jésus a dit à ses disciples qui lui demandaient où il habitait, il leur a dit « venez, voyez ». La même appel que je vous lance, venez, voyez, Joseph School Europe, c'est une très bonne formation et c'est une bénédiction que le Seigneur donne à son Église. Merci. Oh, thank you. Oh, c'était extraordinaire. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur Sage-Femme en même temps. Je me présente, donc je m'appelle Ménadie Ansikou, je suis une femme de 40 ans, mère de deux enfants. J'ai travaillé plus de 15 ans dans des sociétés ici à Bruxelles. J'ai tout donné, mais quand je travaillais dans les sociétés, j'avais un feu en moi dévorant qui était là pour aider mes collègues, pour les coacher mentalement. Ils venaient toujours se plaindre chez moi, pour les pousser à faire du sport, d'avoir une vie plus saine. Et même les collègues me disaient souvent, mais toi tu devrais faire, vraiment tu devrais être coach sportif, tu es une autre rayon de soleil, tu apportes beaucoup. Donc je suis arrivée à un moment donné dans ma vie où je me disais, Seigneur, comment puis-je faire du profit de ce qui est déjà en moi. Et donc j'ai prié, j'ai demandé, il m'a fait grâce de me mettre sur le chemin des sages-femmes de l'école Joseph School Europe. Et là, j'ai commencé tout un processus, à savoir que l'école dure 9 mois. Comme je vous ai dit, j'ai 2 enfants, donc 9 mois pour moi c'est le temps d'une grossesse. Nous avons pendant 3 mois, nous avons vraiment mis les fondements spirituels, nous avons vraiment été chercher, creuser, on s'est mis à genoux, nous avons une confession de foi, nous avons appelé le Seigneur pour qu'il puisse nous aider à cibler ce qu'on a déjà ou même à trouver pour ceux qui ne savaient pas encore le projet. Donc après 3 mois, nous avons tous une idée. C'est comme je reviens de nouveau à l'exemple de la grossesse. On a un bébé, on nous dit que vous êtes enceinte. Après 3-4 mois, on nous dit le sexe. Donc à partir de là, vous pouvez commencer à décorer la chambre, rose, bleu. C'est la même chose. À partir du moment où vous savez quelle était notre entreprise, là, on pouvait commencer à construire notre entreprise. Donc au jour d'aujourd'hui, je m'assois à ma société qui s'appelle Together and Stronger, qui est une société de coaching, life coach, sport coach. Je pars du principe qu'aujourd'hui les gens sont stressés, on mange mal, on se plaint toujours. Donc c'est vraiment pour aider les personnes à apprécier la vie qu'ils ont déjà, apprécier la famille, parce qu'il y a aussi vraiment du chaotisme dans les familles, les adolescents partout. Donc apprécier, apprendre à réapprécier sa propre vie, à réapprécier son travail et à les aider à apprécier le sport qui est très 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 important, je vous dis. Je travaille aussi avec des nutritionnistes, avec des relookeuses pour les personnes qui ont des problèmes et avec une esthéticienne. J'aurai toute une team, donc dans mon centre de coaching, vous serez chouchouté de l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Alors je vais vous montrer, comme ça quand vous allez voir dans le futur ce logo qui représente la pomme, Together and Stronger SPRL. Donc cette pomme, pour moi, qui représente les couches
que je enlève, c'est des mauvaises habitudes qu'on va enlever pour arriver dans le cœur de la pomme et traiter le cœur du problème pour avoir une belle pomme bien lisse. Donc, à vous qui m'écoutez, les chrétiens qui sont dans les églises entre quatre murs à proclamer toujours les mêmes paroles comme notre directeur l'a dit au début, c'est beau, on est tous passés par là, maintenant il faut action. Donc, je vous en prie, venez frapper à la porte de Joseph Business School et vous verrez, vous allez être bénis. Je vous encourage fortement et je vous dis à très bientôt. Merci. Merci, monsieur le directeur, merci toute l'équipe. Et voilà, je m'appelle Oliva Boutoui. Je suis anglophone, je suis plus à l'aise en anglais, mais ça fait quand même quelques années que je suis en Belgique, donc ça va aller en français. Ouais, ça va aller. Ouais. Donc, je vais donner mon témoignage avant d'arriver à l'école et après. Ouais. Donc, avant, j'ai senti en fait que j'avais l'appel entrepreneuriat, mais j'avais mes idées et papiers partout. Malgré que oui, l'appel était là, mais je ne savais pas comment me lancer, comment faire, comment structurer ce que j'avais à moi. Je me suis lancée par moi-même il y a 2 ans. J'ai essayé de me lancer par moi-même, des peu de connaissances que j'avais. Mmh. Et je me suis trouvée vraiment dans beaucoup de problèmes qui m'ont même mis dans des trucs, des huissiers, tout ça. Parce que la parole de Dieu nous dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Donc la connaissance que j'avais, ce n'était pas suffisant vraiment pour me lancer dans le monde des affaires, où il y a vraiment le monde babylonien, il y a les gens qui sont équipés. Et nous, tant que chrétiens, on ne peut pas seulement se lancer juste comme ça sans être équipés. Donc, c'est là où vraiment, en étant dans cette situation, le Seigneur a mis dans mon chemin et c'est comme ça que j'ai été conduite à Joseph School Europe. Donc, je suis arrivée à l'école, là où j'ai trouvé les femmes accoucheuses. Et avec mes idées, comme j'ai dit, avec les idées qui n'étaient pas vraiment structurées. Donc, l'école a vraiment pu m'aider, travailler mes idées, structurer mes idées, parce que ce qui fait la différence, c'est parce qu'en fait l'école donne la partie spirituelle de chaque enseignement, chaque cours qu'on a eu, on a toujours la partie spirituelle et la partie scientifique. Donc les deux parties, quand ils se marient, c'est là où on appelle notre nature avec les surnaturels de Dieu, qui devient ensemble, donc c'est ça qu'on appelle supernatural. Donc on peut avoir, oui c'est vrai, on a beaucoup de gens qui ont fait les MBA dans les mondes et tout ça, mais si ça, ce qui est différent de l'école Joseph School, c'est la partie spirituelle qui vraiment qui se marie bien avec la partie scientifique, et c'est ça qui fait la différence. Et voilà, c'est comme ça, avec les cours de l'école, mon idée a pu être fignolée. Et maintenant, aujourd'hui, je suis sortie, comme monsieur le directeur l'a dit, je suis sortie avec ma société, NetEve Tourism East Africa. C'est une société qui va s'occuper de tout ce qui est tourisme culturel et affaires de l'Afrique de l'Ouest, avec un slogan, promotons nous-mêmes l'Afrique. Nous connaissons, nous avons grandi, j'ai grandi à l'Afrique de l'Ouest, j'ai grandi à Tanzanie, et je pense qu'on est les meilleures personnes de vraiment vendre l'Afrique ici en Europe mieux que les gens qui ont fait une formation dans les écoles. Donc, dans cette société, il y a beaucoup de projets en fait. Et d'abord, d'ailleurs, j'envisage d'engager au début 5 à 6 personnes qui vont travailler pour moi. Et là, je vois vraiment là où ma société va répondre et contribuer aussi à l'économie locale. C'est là où vraiment nous devenons une solution pour la société. La société que la Bible dit, crie, soupire ardemment la manifestation des enfants de Dieu. Donc, comment est-ce que nous allons manifester? Nous allons manifester quand les talents à nous est aiguisé. Mais les talents, pour que les talents puissent être aiguisés, il faut des bonnes personnes.
Il faut des bonnes personnes, pas n'importe quelle école qui peut vraiment vous aider à aiguiser vos talents. Et donc, l'école Joseph School, avec sa partie scientifique, spirituelle, ça m'a beaucoup aidé vraiment à bien sortir avec cette société, même pendant l'année, pendant les 9 mois. J'ai pu participer à un événement qui fait aussi partie de ce que j'avais fait dans ma société, l'événement Upendo, où on a fait les fundraising. L'école était là pour nous soutenir. L'école nous a quand même accompagnés. Je fais partie, je suis assistante secrétaire de cette groupe, de Upendo Group. Et on a levé les fonds qui pour l'hôpital Mwananyamala de Dar es Salaam à Tanzanie. Et les fonds, grâce à ces fonds-là, à l'hôpital côté maternité, on a pu répondre des besoins, on a pu sauver la vie des femmes et des enfants qui meurent, simplement parce qu'il les manque des petites choses comme des cotons, des ciseaux, des gants. Donc, on a beaucoup à faire, c'est là. Développons nos talents. Il y a beaucoup que ça. Justement, j'ai pensé, j'ai dit oui, Melinda et Bill Gates, il faut beaucoup. C'est le moment que nous, les chrétiens aussi, s'élèvent tant qu'entrepreneurs et soulager aussi Bill Gates et sa femme. Il y a beaucoup, vous pouvez faire ça dans vos pays ou même ici en Belgique. On a beaucoup de sans-abri. Vous allez à la gare des Minis, on a de plus en plus de sans-abri. Ça, c'est les gens qui attendent que l'État là, nous, que nous nous appelons chrétiens, qui se manifestent, qui travaillent l'État là pour pouvoir répondre aux besoins de la société. Donc je vous invite tous de joindre cette école qui est là pour nous aider. Dieu a vu, chaque fois que les enfants d'Israël ont crié à Dieu, Dieu envoie toujours une réponse. Et moi, je vais comparer ça comme une réponse qui est venue à notre secours, nous, les mondes francophones. Les anglophones en Amérique, on voit déjà les hommes, les femmes d'affaires chrétiens qui sont vraiment là-dedans. Mais dans les mondes francophones, ça nous manque. On est plein dans les églises, on parle des transferts des richesses, mais nous savons, vous et moi, ce transfert ne va pas se passer de manière « boum, ça va tomber du ciel ». Il faut travailler l'état là que Dieu a mis à nous, et quand l'état là, quand la préparation raconte l'opportunité, c'est là où les choses vont se passer. C'est pour cela que je vous invite tous, vous les chrétiens, de la Belgique, de l'Europe, de venir joindre les femmes accoucheuses de Joseph School Europe pour développer vos talents et être une solution pour la société qui soupire et qui attend ardemment la manifestation des enfants de Dieu. Merci. Merci, monsieur le directeur. Bonjour à tous. Je me présente, Adam Fejo, j'ai 28 ans. Je suis étudiant à la Joseph School Europe. Et grâce à cette école, j'ai découvert mon appel entrepreneurial et j'ai pu être en mesure de créer ma propre société. Donc, c'est une société de panneaux solaires photovoltaïques qui va être créée cette année en Belgique pour apporter une solution face au nucléaire, face à la concurrence, face aux besoins énergétiques actuels et au marché qui devient très coûteux. Donc, Dieu m'avait appelé dans les affaires, mais il me fallait une bonne école pour moi. La meilleure, c'est celle-ci, car elle allie la foi, la connaissance et le coaching. Le tout selon Dieu, avec aussi les cours que nous avons besoin pour entreprendre. En Europe et à l'étranger, en dehors d'Europe. On a de merveilleux cours et puis de très bons professeurs. Aussi des réunions et un jour la soirée, les prières. C'est une école aussi spirituelle et aussi très axée sur tout ce qui est... Partie scientifique. Voilà.
Donc je suis ravi d'être là car en quelques mois, j'ai découvert cette société que je vais créer et avec l'aide de Joseph School Europe, je vais pouvoir l'enfanter. Nous avons une équipe de professeurs très compétents, chrétiens et qui sont loin pour les affaires. Et d'autres professeurs viennent de l'extérieur. Dieu m'a conduit là, pourquoi pas vous ? Maintenant, de venir dans cette école et de devenir un exemple de Christ dans les affaires pour bâtir le royaume de Dieu sur la terre. C'est béni. Amen. Merci. Oui, je remercie Dieu de m'accorder sa grâce, de répondre à ma prière, parce que j'ai prié beaucoup longtemps que Dieu me donne quelqu'un qui peut comprendre ce qu'il a mis à moi et m'aider à travailler à ce qui est à moi que Dieu a mis et pour aller de l'avant. J'ai passé 15 ans à chercher la délivrance de la pauvreté, des blocages. Mais à certain moment, le Saint-Esprit m'a aidé à comprendre que les démons de pauvreté peuvent se moquer de moi parce que je croise mes mains et je ne comprends pas ce que Dieu a mis à moi, la tréprise qui est à moi, que j'ai oublié, que j'ai vécu, mais j'ai oublié. Alors je dis, Seigneur, c'est toi qui as mis quelque chose à moi. J'ai besoin de quelqu'un qui va discerner ce que toi tu as mis à moi. Je ne veux plus que les démons se moquent de moi. Et j'ai prié Dieu vraiment pour trouver cette occasion, cette opportunité. Et il m'a conduit vers notre directeur, un homme humble, un homme qui a la simplicité. Vraiment, il a le discernement, il a vite discerné quand je me suis présentée, comme il a déjà expliqué. Et donc, l'école Joseph Europe, vraiment pour moi, c'est un docteur que j'attendais pour enfanter mon bébé, qui me poignardait dans le ventre, qui voulait sortir, qui n'arrivait pas à sortir, parce qu'il fallait qu'un bon docteur pour que le bébé vienne. Alors, vraiment, l'école m'a développé mes idées de voir loin, comment multiplier mes entreprises, comment aller loin, comment travailler avec le Seigneur. Vraiment, je bénis beaucoup Dieu et je remercie mon directeur que j'appelle mon ange que Dieu a mis dans mon chemin, ainsi que sa femme et toute l'équipe. Vraiment, je remercie. Bonjour, je m'appelle Kambaji. Je voulais parler de moi avant et après l'école. Donc, je suis aviateur de formation. J'ai fait l'aviation civile et je suis gestionnaire de stock dans une société pétrolière de l'Angola qui est Sonangol. Mais ce que j'ai compris, j'étais utilisé parce que je ne gagnais pas ce que j'ai travaillé. C'est-à-dire que j'ai travaillé beaucoup, mais le salaire ne suffisait pas à mes besoins. Alors, je me suis décidé d'abandonner, de quitter pour essayer de faire quelque chose avec moi-même. C'est-à-dire que j'ai pensé, la vie d'une personne sur la terre, c'est toute une mission que Dieu nous envoie. Nous sommes obligés de réussir sur cette terre. Alors, si tu ne travailles pas pour toi-même, mon frère, je te dirai que tu vas travailler pour une autre personne. Alors, pour moi, j'ai décidé, avec des idées qui étaient en moi, mais je ne savais pas comment le mettre en pratique. Et grâce à Dieu, je me suis rencontré avec le directeur un jour. On a eu le temps d'en discuter. Et je me suis inscrit et j'ai commencé les cours. Pendant 2 mois, les choses ont commencé à bouillonner en moi. C'était vraiment quelque chose que j'ai commencé à comprendre que je peux aussi faire et avancer les choses. Et c'est par là, dans l'intercession à l'école, parce que nous avons un temps d'intercession pour que tout un chacun puisse se découvrir et découvrir les dons cachés qui est en lui. Et cela m'a aussi amené à penser que Dieu nous a envoyé, pendant qu'un bébé sort dans le ventre de sa maman, il a un don. Mais ces dons-là, il faut que quelqu'un puisse les découvrir. Alors, pendant l'intercession,
et avec l'aide de pasteur Madeleine, et nous arrivons au moins, j'ai arrivé à comprendre que non, je peux aussi faire comme les autres. Alors j'avais eu l'idée des restaurants dans le centre de Bruxelles, en Belgique. Et au fur et à mesure qu'on priait, j'ai eu encore l'éclaircissement d'une idée qui est en cours des grandes imprimeries en Angola. Alors, ces idées-là sont en marche déjà. En Angola, ça fonctionne déjà. Il y a des machines qui sont là. Et ici en Belgique, l'idée aussi des restaurants de luxe et avec les services traiteurs, je ne suis pas oublié parce que je suis toujours à côté de mon docteur qui est mon directeur pour m'aider toujours à marquer des pas, à avancer pour arriver de mettre les machines en marche aussi en Belgique. C'est-à-dire que je vous invite, toi qui as l'idée, tu as des doutes, tu ne sais pas quoi faire, je t'invite à venir t'inscrire à Joseph School Europe afin que tu puisses mettre aussi des machines en marche pour fonctionner ton entreprise aujourd'hui ou demain. Que Dieu vous bénisse. C'est ce que Dieu nous dit, qu'il nous a établi roi et sacrificateur pour régner sur la terre. Amen. Donc si tu es en position élevée, c'est-à-dire que c'est toi l'autorité spirituelle sur le pays d'Égypte. Ça c'était Joseph. Et au moment où Joseph était l'autorité spirituelle sur l'Égypte, il a épargné les vies. Il a épargné les vies. Il a épargné. Il les a donné les stratégies pour échapper à la famine. Parce que le juste a été dans la position élevée. C'est ce qu'il dit que they city is exalted because of the righteous. Quand la vie est gouvernée par le juste, nous allons crier gloire. Amen. Mais si c'est quelqu'un d'autre, il y a une autre autorité sur la vie, il y a des catastrophes, il y a beaucoup de choses qui se font. Mais comme Dieu l'a établi, Père, il a épargné les vies. Il a même épargné les vies de sa propre famille. Amen. Parce que Dieu lui avait donné les rêves et les visions. Ça ne vient pas de soi. Amen. Ce que Dieu t'a donné, ça ne vient pas de soi. Chéris et garde, entretiens, nourris, grandis dans ce que Dieu t'a donné. Dans ce que Dieu t'a donné. C'est pour cela que nous venons le jeudi, pendant cette semaine, prier pour tes rêves, tes visions, tes plans d'affaires, tes talents, tes dons que Dieu t'a donné. Tu fais le travail naturel, mais tu fais aussi le travail spirituel pour faire le backing up, pour faire le soubassement à ce que tu es en train de faire. Et cette préparation, il faut rencontrer sûrement l'opportunité. Ça va t'ouvrir le chemin. Si tu le crois, tu vas le voir. Amen. Tu vas le voir. Et ce que tu fais va accélérer le transfert de richesses vers toi, comme Joseph. Amen. Nous allons prier. Tu vas prier. Il y a certaines lois que vous devez vraiment observer et pratiquer pour pouvoir rédiger vos business plans. Sinon, ça ne va pas être un morceau facile. Et mettez-vous en tête que l'entrepreneuriat, la richesse, l'argent, c'est un processus. Ce n'est pas quelque chose qui va vous tomber du jour au lendemain, tu deviens millionnaire. On a vu l'exemple d'un sportif, du jour au lendemain, il est tombé millionnaire, il a dépensé aussi, et vite fait. Et Dieu, dans son amour, il ne permettra pas de vous donner de richesse tant que vous n'êtes pas prêt. C'est pourquoi vous pouvez aller consulter d'autres DBS, il y a des déclarations dessus. Il y en a qui sont devenus millionnaires, il y en a qui ne sont pas encore, il y en a qui sont en processus. Parce qu'ils n'ont pas appliqué ces lois. Et c'est la même loi que Bill Houston a appliquée. C'est la même loi que Matthew Hashimoto applique. Ce sont les lois universelles. Que tu sois croyant, que tu sois pas, que tu sois croyant ou pas croyant, toute personne qui applique ces lois, il devient riche. Parce que Dieu, c'est un Dieu juste. Quand il a déclaré une chose, il dit que si tu marches dans la vérité, Dieu sera avec toi.
même si tu n'es pas né de nouveau. Dieu sera avec toi parce que tu pratiques la vérité et la justice. Mais le problème de celui qui n'est pas croyant, sa finalité, ce n'est pas l'éternité. Sa finalité, c'est l'enfer. Mais vous, vous êtes que Dieu a choisi, il a mis à part. Donc, travailler, quand je vous donne les devoirs, il faut le faire, ce n'est pas pour vous embêter, c'est pour votre bien. Donc, nous allons revenir parce que je ne sais pas avancer. C'est comme un cours de comptabilité. Tant qu'il y a, une leçon qui n'est pas bien comprise, on ne sait pas passer à la deuxième. Parce que tout est complémentaire. C'est par exemple, on va, quand vous allez apprendre la comptabilité, on ouvre un compte, il y a un débit et un crédit. Mais celui qui va venir au cours où on parle maintenant de crédit, il ne comprendra pas parce qu'il ne sait pas comment opère le débit pour qu'il ait la balance dans ce qu'on fait. Et quand il n'y a pas balance dans les comptes, on ne sait pas marcher dans la comptabilité. Un des principes de comptable, c'est qu'il faut que tout soit zéro. Il y a un principe d'égalité. La création tout entière, dit la parole dans Romains 8, 19, attend voir la manifestation des enfants de Dieu. Tu as écouté les témoignages de ces différents entrepreneurs qui ont passé 9 mois de formation, abandonnant leurs activités pour mettre à part le temps avec le Seigneur, pour que le Seigneur puisse faire sortir ces dons-là, ces talents-là qu'il a cachés en eux. Dans Proverbe 25, de la parole de Dieu dit, la gloire, Dieu se glorifie en cachant ses voies. Et les rois se glorifient en sondant, en cherchant les voies que Dieu a cachées. Ah, ils ont fait cet exercice-là. Ils se sont préparés. Et vous savez, comme on a répété ici, quand la préparation rencontre l'opportunité, le succès est inévitable. Donc toi qui nous écoutes, la création tout entière attend aussi ta manifestation. Ne tarde pas à venir rencontrer les sages-femmes de Joseph School Europe qui commencent vraiment des activités de manière intensive pour aller chercher tous les chrétiens là où se cachent. Les chrétiens qui ont le business, je ne fais pas appel aux chrétiens de manière générale, mais ceux qui ont la particularité d'avoir les talents, ils ne savent pas comment il faut faire. Comme ils l'ont dit tout à l'heure, je ne savais pas comment il faut faire. Et je ne savais pas. Le monde n'a pas su m'aider. Vous savez, en Belgique, il y a plus de 200 formations, plus de 300 formations. Mais la différence, je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il y a la partie spirituelle qui fait la fusion. C'est comme vraiment gâteau sur cerise et sur gâteau. Donc, c'est vraiment extraordinaire que vous puissiez venir goûter la formation de Joseph School Europe. Sur ce, je vous dis merci et on va se voir à la graduation qui est prévue au mois de septembre. Doing business, God's way. Doing business, God's way. Thank you.